Es-tu déjà allé en Arabie? Tu aurais entendu parler d'Abdallah. Il avait beaucoup d'argent. À l'an 802, il y avait un homme qui vivait en Arabie. Cet arabe avait beaucoup d'argent. Son nom était Abdallah. Il avait envoyé des gens d'aller en Égypte pour explorer la pyramide. Quand ils sont arrivés pour pénétrer la pyramide, le chemin pour monter fallait descendre. Quand ils sont entrés dans la pyramide, avant de monter la galerie, il y avait un passage comme un trou qui conduisait jusqu'à la chambre de fou. Après les sept marches là au sommet, il y avait la chambre du messager et les trois rideaux pour arriver avant d'entrer dans la cathédrale. Le rideau de bambou, la civilisation, et le rideau de fer, la politique. Le rideau de pourpre, la religion, avant de voir le tombeau du roi. Quand ils sont entrés dans la tente, le tombeau était vide, la résurrection. Et sur le plateau, les dessins des étoiles, le mystère des zodiaques, les mazaros. Et sur les murs, hiéroglyphes, un langage inconnu, des prophéties. Yahweh, il avait les mystères de l'invocation et comment être exaucé. Sur les murs, il y avait aussi une prophétie qui concernait le temps de la fin, disant qu'un monarque viendra de l'Orient et introduira la tête du roi. Un prince viendra de l'Est pour placer la pierre de fête, comme un Liu était venu de l'Orient pour que Job puisse voir le tourbillon. Ainsi la nuée est venue de l'Orient pour former la tête du roi. Les sept anges sont venus de l'Orient pour manifester la tête du roi. Quand le sixième jeta sa coupe sur le grand fleuve de Babylone, l'eau avait tari, le réveil était terminé. Isha, pour préparer le chemin au roi venant de l'Orient, d'aller en Occident pour oindre la pyramide. Oh, oh, oh. Le fleuve Euphrate devrait seulement tarir pour laisser passer le monarque. Ce fleuve qui séparait l'Éden, la religion pentecôtiste, cette église qui approche la pierre de fête devrait mourir comme dans les songes. Toi les chansons qui s'éveillent, dans trois jours tu seras relevé. Mais le panetier qui servait le pain,
toi dans 3 jours tu mourras. Pour laisser passer le monarque du Seigneur, d'aller là-bas en Amérique, pour être le Saint des Saints, car cela était écrit sur les murs comme un mystère dans la chambre du roi, que William Branham devait quitter l'Orient pour aller à l'Ouest, le tourbillon. Ainsi Billy est venu de l'Orient pour manifester la tête du roi. Malachi 4 est venu de l'Orient pour révéler la tête du roi. William Branham est venu de l'Orient pour voiler la tête du roi. Car les 3 corbeilles sur la tête du panetier étaient aussi 3 jours. Le réveil de Luther, le réveil de Wesley et le réveil pentecôtiste. Mais après la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, toi l'église pentecôtiste, tu mourras. Parce que la vie véritable qui était dans la tige, dans les crêtes et la balle, c'est tout vous rassembler dans les grains au jour de la venue de la tête du roi. Dans les canals des êtres humains et au milieu des êtres humains. Merci Seigneur. Cette église que tu vois là-bas au coin, je vous dis dans 3 jours, elle mourra. Pour laisser passer le prince du Seigneur là-bas en Amérique, où viendra le Saint des Saints. À l'an 802, il y avait un homme qui vivait en Arabie. Cet arabe avait beaucoup d'argent, son nom était Abdallah. Son nom était Abdallah. Son nom était Abdallah Mamou. Son nom était